Voilà. On recommence. Voilà, première vidéo de l'année depuis Haïti. On est arrivé à cela 2 jours et on aimerait juste vous faire un petit retour aussi sur les 6 semaines qu'on a vécues en Suisse, qui étaient froides au niveau du corps mais chaleureuses pour le cœur. Oui, du coup, on a pu rentrer mi-décembre, donc on est rentré juste avant les fêtes. On a pu bien profiter de faire Noël et toutes ces fêtes avec nos familles. C'était super chouette. On a pu aussi profiter de revoir du coup beaucoup beaucoup de nos amis. On a fait beaucoup d'apéros. Du coup, on a pris un petit peu de poids. Beaucoup de jeux de société, plein de discussions. Et c'était vraiment super chouette. Ça nous a pas rechargé les batteries au niveau énergie, mais au niveau relationnel et émotionnel, on repart complètement boosté pour cette nouvelle année ici. Yes, et navré encore à tous ceux qu'on n'a pas pu croiser. Soyez pas trop frustrés, on n'a aussi pas pu refaire parapente par exemple, donc on a aussi plein de choses qu'on n'a pas pu faire. 6 semaines, c'est vraiment court, mais vraiment navré. Et on espère peut-être pouvoir vous croiser, soit par vidéo, soit la prochaine fois qu'on repassera par la Suisse. Et du coup, pour finir ce temps de débrief sur la Suisse, on voulait vous raconter quelques petites anecdotes qui se sont passées durant le voyage. Juste pour ceux qui ne le savent pas, on a fait la Suisse à Paris, et à Paris, le lendemain, on a pris un avion pour arriver directement ici en Haïti. Et du coup, arrivé à la gare, on a dû prendre un taxi pour aller jusqu'à l'hôtel qui est à côté de l'aéroport. Et il s'est avéré en discutant qu'en fait, le monsieur qui conduisait était haïtien. Du coup, c'était super sympa. Alors, on parlait mieux créole que lui, mais le petit clin d'œil était vraiment sympa. Et la deuxième chose qui nous soit arrivée, on arrive à l'hôtel, à Ibis, et on leur demande bonjour, on arrive au nom de Morier, et pas de réservation à notre nom. Du coup, on va voir l'hôtel à côté qui est un autre Ibis. On leur demande pas de réservation. On va vérifier dans un autre au cas où, pas de réservation non plus. Du coup, on ne sait pas ce qu'on a fait, mais on n'a sûrement pas réservé l'hôtel qu'on pensait avoir réservé. Mais heureusement, on a quand même pu trouver Il en un restait prix une décent. chambre. Il a été une chambre à un prix décent qu'on a pu heureusement prendre, donc on était contents. On a pu dormir au chaud, surtout qu'il faisait très froid à Oui. Paris. Et après, le lendemain, du coup, on a pris l'avion pour partir pour Haïti. On est hyper content parce qu'on a eu zéro problème avec nos valises. On ne nous a pas embêtés avec tous les ordis et tous les téléphones qu'on avait, qu'on a pu amener pour les utiliser ici. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé en nous fournissant des ordis et des téléphones portables. N'hésitez pas à en mettre quelques-uns d'autres de côté parce qu'on pourrait potentiellement en avoir encore besoin de plus. Mais on vous tiendra au courant. Et du coup, pour cette nouvelle année en Haïti, on va essayer de vous faire en tout cas une vidéo par mois, voire plus si on arrive. Et pour ce prochain mois, ce qui est prévu. Ce sera de s'installer dans la nouvelle maison. On va déménager les deux familles, le ministère dans cette nouvelle maison pour pouvoir la maison où on est actuellement l'utiliser à 100% de ses capacités pour le bed and breakfast. Et du coup, ben, vu que c'est le premier mois, il faut aussi tout qu'on se réhabitue. Donc, on va aussi se remettre dans le bain avec le créole, la culture, revoir les gens. Et ça va déjà aussi nous prendre pas mal de temps. Et pour tout ce qui est au niveau projet, on vous en parlera plus dans une prochaine vidéo quand on aura pu en lancer quelques-uns et vous donner plus de détails là-dessus. Vous rappelez aussi qu'on a décidé de servir ici bénévolement et que du coup on cherche aussi des soutiens. On cherche environ 100aine de personnes qui seraient prêtes à nous soutenir à 22 francs par mois. Merci en tout cas déjà à tous ceux qui se sont engagés, ça fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, on va vous les mettre dans un des coins de Par la là. vidéo. Et merci encore à tous, à tous vos messages, tous vos soutiens. On se sent encouragé, on se sent soutenu et ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, c'est hyper cool. Et soyez tous bénis. Ciao! Ciao.